roman. Qu'est-ce que c'est? Un roman. Ouais. Ah, mais j'en lis très peu de romans. Hein. J'aime pas trop ça parce que j'aime pas trop me faire balader comme ça à droite à gauche. Mais j'aime beaucoup, je dirais instinctivement, je dirais un roman d'Alain Fournier qui s'appelle Le Grand Mône. C'est un roman un petit peu impressionniste, un peu. Qui est parfois assez terne, mais que j'aime beaucoup. Parce que. On y trouve quand même de la ferveur sous ce brouillard. Chanson un peu ringarde. Il y en a une que j'aime, bon, qui est censée être ringarde, parce que ce genre d'adjectif est quand même assez difficile à employer. Être ringarde, c'est difficile à percevoir. Mais je sais que si je cite le Sheila des années 70, Patrick, je t'aime, pour beaucoup de gens, ça sera ringard. Mais pour moi, c'est une chanson qui me ravit, si tu veux. Patrick, je t'aime. C'est Sheila, son copain, il est pilote d'avion. Et il est dans un crash d'avion, il meurt, et elle rêve qu'il est toujours en vie. Et ça donne nos corps enlacés sur la plage, l'eau qui vient mourir à nos pieds. Patrick, je t'aime. Une chanson que j'aime beaucoup, que je chantais beaucoup à mon frère qui s'appelle Patrick. Ça l'énervait. Ah là là, difficile. Je me suis identifié à peu près à tous. Hein, je suis un fan des Beatles. Donc je suis passé par tous les états, de Ringo. Moi je dirais le plus triste, ce serait Paul McCartney pour moi. Oh, bah, là je te dirais aussi que je suis un bémol. Hein. Dans un jour un peu comme ça, d'automne, dans ce jour d'automne, je dirais un bémol. À laquelle je te dirais j'aime beaucoup ce qui tourne autour du la. La 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 bémol existe? Évidemment. Est-ce que c'est pas aussi un si dièse? Je crois que c'est la même chose. Salut. Ouais. Il y a beaucoup de notes qu'on peut appeler par deux noms. C'est extraordinaire ça. Je ne savais pas. Ah oui, si, c'est vrai. Je suis pas musicien. Moi non plus. D'ailleurs, je commets peut-être une erreur en disant que le la bémol serait un... Non, ce serait plutôt un sol dièse. Ah oui, enfin, là, oui. Les spécialistes sauront mieux que moi. Je suis assez novice en la matière. Oh, je te dirais instinctivement Tom Sawyer. Tom Sawyer... j'aimais beaucoup le générique. C'est l'Amérique, la femme de la liberté. Avec sa salopette et tout ça, je suivais ses aventures et ça m'arrivait de m'identifier à lui. C'était un héros avide de liberté, mais qui se faisait toujours rattraper par la société, quoi qu'il arrive. Il était toujours repris dans les filets de la société. Et donc c'est un personnage qui me touche beaucoup.